Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi pour ce match, ce dernier match hein, de la 16e journée de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille qui se déplace au stade de la Route de l'Orient pour affronter le stade Rennais. Donc, les Rennais qui sont devant actuellement hein, les Olympiens de Marseille avec. Bon, ils sont seulement à 3 points, donc surtout avec le goal average de Marseille. La victoire de Marseille pourrait leur permettre vraiment de grappiller ben, à peu près 3 points, si je ne m'abuse, hein, puisque reprendre la 8e place, juste derrière l'AS Saint-Étienne, qui est actuellement 7e en cas de victoire, les Marseillais feraient vraiment une très très belle opération. Et le Stade Rennais, lui, en cas de victoire, avec son goal average à 3, reviendrait devant Monaco. Elle reprendrait la 6e place. Donc voilà. Là, franchement, les deux équipes ont tout intérêt à gagner cette rencontre. Ivy Lane, non, en fait, oui, bon, c'est le faux nom, hein, mais j'ai bien renommé en la route de l'Orient. Donc à Nkoulou. Donc on voit au niveau des compos, bon, il y a beaucoup d'absents. J'avais pas la composition de Rennes, mais je sais qu'il y a pas mal d'absents, malheureusement. Alors bien sûr, Paul Jorge Edteps, absent pour long terme, pour blessure. Jovanicio, absent sur suspension. Et Abdoulaye Doucouré, qui n'est pas là non plus. Donc on va devoir faire comme on peut. Avec Quintero Amossé, Grosicki. Bon, il y a quand même du beau monde. Hein. Par contre, la pointe, voilà, n'est pas un joueur habituel avec Boga, qui est MOC d'habitude. Mais ouais, en l'absence de Jovanicio, va falloir faire ce qu'on peut. Et lui, effectivement, dans ses notes, pardon, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On le voit, il est MOC pur, contribution offensive moyenne, contribution défensive moyenne. Ah, c'est un joueur qui va pas forcément être très dangereux face à Rekiki et Nkoulou. J'ai bien peur que malheureusement dans le jeu ce soit très très compliqué pour Rennes. On va voir, en tout cas les Marseillais qui normalement à l'extérieur devraient faire une bonne prestation. Ils sont quasiment. Qui sont quasiment avec tous leurs joueurs, hein, puisque bon, aucun suspendu. Abou Diaby qui. On va voir Abou Diaby qui est réserviste, qui a de très bonnes notes en tant que réserviste. J'ai vu qu'il était payé 10 000 euros. Alors 10 000 euros, c'est quand même 10 fois moins que Gourcuff à Rennes. Mais tout de même, une note de 75, hein, qui ne descend pas malgré qu'il soit blessé depuis de nombreuses journées maintenant. Voilà, il est arrivé à Marseille, il était déjà blessé, donc. Voilà, c'est pas très bien tout ça, hein. Mais bon, voilà, il est bien, tranquille, 10 000 euros, 75 de notre G. Que demande le peuple, finalement? Ah, voilà. Bon, voilà, il y avait quoi d'autre? De Seglier blessé aux adducteurs, des choix de l'entraîneur Zambo Anguissa et Bounassar qui n'est pas là. J'ai bien écarté Bounassar. Voilà, Bounassar, je sais pas pourquoi il est écarté d'ailleurs, je sais pas dans quel. Perspective, j'ai mis Nkoudou sur le banc, bien qu'il soit vraiment très énormous avec Marseille. Plutôt un très très bon joueur qui apporte énormément. Mais bon, on va essayer Alexandrini au Campos avec des bonnes notes, hein, 75 de notre G et 76 pour au Campos qui peut bien évidemment jouer sur le côté gauche aussi. Un petit peu plus haut d'habitude, mais bon. Voilà pour cette rencontre. Alors moi je sais qu'il y a beaucoup de supporters marseillais, je ne vous oublie pas. Donc n'hésitez pas comment dire, à partager cette vidéo à tout votre spectre d'amis afin que cette vidéo se partage massivement. Ce serait intéressant, ce serait sympathique. Hein, puisque moi, bon, même si je supporte l'Olympique Lyonnais, j'apprécie cette équipe de Marseille qui revient tout doucement. Hein. Mon 12e, ils sont plus. Ils sont en vert, ça correspond. À la mise à jour, ça. Non, parce qu'ils sont 11e les Marseillais et 8e Stade Rennais, 9e. Donc finalement, ça a perdu une place, mais bon, ça n'a pas été actualisé. Dommage, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas en journée en direct. Passons match, si vous le voulez bien. 4 minutes de parlotte, voilà, c'était court. On va passer tout de suite au match au stade de la Route de l'Orient. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà, bon, ça c'est petit exercice. Hein. Lucarne, allez, lucarne gauche, et voilà, tranquille. On rentre dans le vif du sujet, dans ce stade de la route de l'Orient, faux stade. Mais bon, ce n'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Dernière journée intéressante, hein, maintenant qu'on sait que le placement un petit peu de toutes les équipes qui ont effectué cette 16e journée, on voit, on le répète, hein, mais. La bonne opération serait vraiment des deux côtés en cas de victoire. Là, vraiment grappiller pas mal de points.
avec Marseille hein, qui, vu que toutes les équipes se talonnent hein, finalement, on voit que entre par exemple l'Olympique Lyonnais 4e et le premier relégable, il n'y a pas énormément de points qui les séparent, il n'y a que 9 points. Donc entre Lille qui est à 17 points et l'Olympique Lyonnais à 26 points, que 9 points de différence hein, en termes de 16 journées, que 3 victoires de différence finalement en termes de points. Voilà. Quelqu'un, si Lille avait gagné 3 victoires de plus et Lyon avait fait des défaites, 3 défaites consécutives, eh bien on aurait une situation quasi inversée. C'est fou. Et bon, l'OM qui déjà nous gratifie presque d'une qualification. En Europa League, hein, il faudra finir le boulot parce que bon, rien n'est encore fait. Hein, mais voilà, la seule équipe qualifiée pour le moment, c'est la Saint-Etienne en Europa League. Paris Saint-Germain qui vient évidemment qualifié en Champions League, lui. Mais bon, avec tant d'équipes engagées, on se demande pourquoi il n'y a pas plus d'équipes qui finissent dans les phases d'élimination directe. On ne reviendra pas sur le sujet de Lyon hein, avec cette écroulade. Ouais, ça me fait pas rire. Même. C'est triste. Triste pour Lyon, élimination directe, alors qu'on y pensait vraiment, on a vraiment envie d'un beau parcours en Champions League, mais non, ça ne sera pas pour cette saison. Surtout qu'il y avait des volontés justement de pas trop compter sur les. Enfin de moins compter sur les jeunes pour les saisons futures, en espérant bien évidemment des beaux parcours et tout ça, mais là ça commence mal. Il faudra se requalifier pour cette compétition en finissant deuxième du championnat. Parce que bon Paris, voilà, personne n'est. Capable, je pense, de revenir sur Paris hein. Cette saison et les saisons futures, ça risque d'être compliqué maintenant. Surtout si Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, peut-être qu'on disait peut-être partir avec Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Les premières incursions de Rennes, complètement manquées. Et Karim Benzema qui a fait sa petite déclaration sur TF1. Il s'y prend très tard, je comprends pas pourquoi il s'y prend si tard. Pour répondre à qui? Il répond même pas à Valbuena en l'occurrence. Hein. Donc moi ce que je comprends pas c'est pourquoi il met tant de temps pour répondre. Ses premiers voies de communication c'était Instagram avec des vidéos où il était dans une salle d'entraînement du Real Madrid, tranquille, je ne pense à rien, tout va bien pour moi. Donc le mec était quand même inquiété dans une affaire, il est mis en examen quand même, il y a quand même un gros problème. Enfin, mis en examen ça ne veut pas dire que vous êtes... accusé ou coupable, c'est juste qu'on étudie votre cas un peu plus finement et puis voilà, vous êtes mis en examen, on va examiner quoi, voilà. Mais voilà, après reste à voir si effectivement il n'y avait pas une volonté indirecte ou indirecte de forcer, enfin de vouloir que Valbuena paye. Enfin, ce que je comprends pas c'est que Karim Benzema lui avait connu cette situation et avait dû faire appel à la police, alors pourquoi dans les communications avec Valbuena, il lui dit non, il n'y a pas de police, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de juge, il n'y a pas tes amis, il n'y a pas ta famille, il n'y a que moi et mon ami Karim Zenati. Enfin bref. De toute façon, il est dans le collimateur de toute la France, hein, le pauvre Karim. C'est triste à dire. Mais... Bon, le crachat lors de l'hymne de français, bon, j'ai pas très bien compris parce que. Bon, l'hymne est fini, il se prépare à son match, il crache, bon voilà, c'est pas le premier joueur qui crache. Faire l'association avec bon. Peut-être que c'est pas malin effectivement, mais il est peut-être détaché de ça, voilà, il voulait rentrer dans son match. Et bon, au bout d'un moment, voilà, de faire tout. C'est vrai que c'est un hommage à 2 semaines des victimes. Et ça méritait peut-être plus de tenue. Et plus d'empathie. Mais non, on ne peut pas reprocher à Karim qui lui. Roule toujours avec des merveilles de voitures et fréquente des belles femmes et tout ça. Voilà, il pense à autre chose déjà, il pense à son match de foot. Oh la incursion, la frappe, oh la barre. Le haut de la barre pour Ocampos. Est-ce que c'est un corner? Je ne sais pas si c'est touché. Je parlais, une frappe, elle cherche la lucarne opposée. Non, c'était pas du tout un corner, c'est juste au-dessus. Marseille a la potentialité vu qu'on a fait du turnover côté Rennes pour pallier à toutes ses absences.
Je pense que Marseille a les moyens de faire la différence. Ah, ça récupère le ballon ici, Lucas Silva qui cherche une solution. Il est bien haut. Il est obligé de reculer avec Mendy. La passe courte pour Cabella en MOC. C'est excellent avec Alessandri le contrôle. Mais on excentre le jeu. C'est plutôt pas mal. Le centre à venir au second poteau. Mais c'est pour les grands de Coxfield. Une domination marseillaise. Mais manque de précision au niveau des centres. C'est souvent comme ça. On a du mal à redresser le ballon. Et ça part en contre-attaque avec Pedro Henrique qui a une situation second poteau. La tête. Malheureusement, c'est manqué cette occasion. C'était dommage. Ça part d'un but à l'autre dans ce début de match. Après 20 minutes de jeu, des occasions franches côté marseillais. Voilà, il faut récupérer ses ballons, être plus proche de son vis-à-vis pour essayer de le gêner. Mais bon, alors, au niveau de la possession, il y a quand même un pressing côté marseillais qui tente voilà, de récupérer les ballons. Le dégagement de Costil sur Armand. Ouh là, la panique d'Armand qui fait n'importe quoi. Et c'est la récupération côté marseillais. Qui, les Rennais sont vraiment pas en confiance. Hein, perturbés par tout ce turnover, ces absences. Ils sont à domicile. On sait que Lille a réussi récemment. Parce que là, je simule la veille. Donc j'ai pu voir le match de Lille qui a réussi à faire l'opération 1-0 et gagner sa rencontre face au Vert de Saint-Etienne. Mais là, ça a l'air plus compliqué pour Rennes. Voilà, ils sont vraiment bougés. Bougés. Ouais. Oh là, on se calme. Allez, phase de construction marseillaise. Toujours pas de but dans cette rencontre. Nkoulou. Manquilo. La passe courte. On revient sur Alessandrini. Peut-être une passe courte à nouveau. La frappe peut-être enchaînée. Ça joue bien. Et ça fait trop de passes. Il faut déclencher au bout d'un moment. La récupération de Marseille, Nkoulou sur Mandanda. Contrôle. Allez, on repart côté marseillais. Qui, ils ont la main mise sur le ballon. Pour le moment, les Rennais ont vraiment des grosses difficultés à se trouver, à être dangereux. Même en termes de pressing, c'est un petit peu approximatif. Ocampos. Surtout qu'ils ont fait 3-3 à l'extérieur face à Monaco. Non, mais beaucoup de passes. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à assurer là des petites passes qui. Manque de précision. Ouais, la sortie de Mandanda, ça c'est bien joué. Qui récupère derrière. Ce sont les Rennais. Attention, le décalage est fait, mais beau travail de la Saladiara pour récupérer. Ah, il faut jouer vers l'avant là. Allez, il y a l'appel. Ah, mais il est hors jeu. Il va lancer quand même en profondeur pour Michy Batshuayi dans la surface. Qui cherche une solution, qui revient sur ses pas, qui centre et c'est contré, dégagement derrière. Eh non, c'est dommage de ne pas être plus précis. Ça va être récupéré, non? Non. Pedro Henrique, Sida. Mbengue, la contre-attaque avec Grosicki qui peut accélérer. Bien repris, mais il accélère quand même. Attention, il y a du monde au centre. Pour le centre, justement. Mais c'est encore une nouvelle fois mal négocié. Tous les centres sont vraiment d'une qualité médiocre. Mais qu'est-ce que fait Mandanda? Il redonne à Grosicki qui va pouvoir centrer la tête, la parade! Et l'arrêt de Mandanda, quelle erreur Mandanda qui se précipite. Attention, on ne peut pas faire des erreurs comme ça, il domine les Marseillais, mais il faut impérativement mieux jouer le coup. Attention, il y avait l'appel, dommage qu'il s'arrête. Oh là là, c'était dommage, mais ça continue quand même sur le côté avec Ocampos, qui peut essayer de jouer, qui va centrer la tête, c'est pas fini avec le contrôle de Lucas Silva, qui pourrait centrer, qui est obligé de reculer. Oh là là, mais c'est dommage de ne pas avoir les bonnes solutions, de ne pas prendre les bons choix, l'accélération. Ouais, la faute là, pas de faute. Bon, très bien, contre-attaque. Bon, c'est bien, mais les mauvais choix dans ce jeu. Marseille a vraiment du potentiel en termes de récupération. Là, c'est la finition, là, il se tergiverse trop. Ouh, la faute, l'avantage laissé, Fernandez. Pedro Henrique, Silla, le crochet, la passe quand même pour Boga. 1-2, Boga, il est loin, il va quand même réussir à centrer sur Quintero. Le centre, la frappe et le but de Silla, ouverture du score du stade Rennais. Oh bah là, moi qui m'attendais plutôt à une ouverture du score côté marseillais. Et ça a circulé là, ça a laissé jouer. Et la passe, très forte. Et là, il n'a plus qu'à allumer Silla du plat du pied, Mandanda. Ouais, en retard pour tout le monde, Nkoulou en retard.
C'est vraiment un petit peu surprenant quand même de voir les Rennais qui étaient ultra dominés. Et pas beaucoup d'occasions. Et là, sur une occasion à but, bon. C'est curieux. Est-ce que Marseille a les moyens de réagir? Je pense quand même. Oh là là, bah, c'est pour commencer comme ça la seconde période. Rien n'y fait, hein. À part 3 qui s'est incliné en tant que lanterne rouge de ce championnat. 3-0. Toutes les équipes en difficulté ont réussi lors de cette 16e journée à se sortir les tripes. Et là, ça a l'air d'être le cas aussi pour Rennes, bon, qui n'est pas en difficulté dans le championnat, qui est même devant l'Olympique de Marseille. Mais c'est assez surprenant, Marseille. Je pensais que ce serait quand même un meilleur niveau là, avec tout ce turnover, même dans le jeu. Je comprends pas. Voilà, quand même ici, peut-être quelque chose à réussir. Cabella qui est obligé de reculer. Rekic. Ah non, 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 on se précipite. À nouveau, encore une précipitation. Alors qu'il y avait une bonne occasion à jouer. La pressing sur Armand qui va récupérer ce ballon en second temps. Ce sont les Marseillais, c'est plutôt bien joué. Peut-être une réaction marseillaise là-dessus. Lucas Silva au Campos. Lucas Silva, une minute de temps additionnel. Il y a l'appel de Batshuayi. Non, il n'est pas servi, on a dû reculer. Les Marseillais, c'est un petit peu dommage de voir ça. Hein. Ça va siffler alors qu'on avait l'opportunité d'être plus rapidement devant les cages. La défense est bien placée. Côté Stade Rennais, la passe en profondeur, la récupération d'Mbengue. Et la fin de cette première période sur le score de 1-0 pour Rennes. Contre le cours du jeu, contre tout. Mais bon, voilà, Marseille n'a pas réussi à marquer. Et Yacouba Sida a réussi à lui par contre à être bien placé sur ce centre. Et à ouvrir la marque. Pour Rennes, 1-0, bon, voilà. Ah, c'est bizarre, hein, mais bon, c'est comme ça. Peut-être passer à une formation un petit peu plus offensive côté marseillais, en prenant le contrôle pour voir s'il y a une réaction. Mais bon, c'est dommageable, parce qu'il y avait des bonnes situations pour Marseille, j'ai pas très bien compris. Ils sont théoriquement supérieurs dans le jeu. On a fait beaucoup de turnover côté Stade Rennais. Puis en plus, il n'y a pas eu beaucoup de tirs, hein, essentiellement 4 tirs. Peut-être, il y a eu qu'un tir, je crois, côté Rennais. A eu cette tête aussi dans un premier temps. Quelle erreur de Mandanda. Et là, bien joué le décalage, le centre devant le but. Et là, bon, il n'y a rien à dire. Hein. C'était tellement rapide, tellement parfait, tellement bien placé. Dommage pour mes amis supporters marseillais et pour Medine, mais pour le moment, Marseille n'y est pas. Pourtant, ils ont eu des situations, mais ça n'a pas suffi. Alors qu'ils ont fait un beau 3-3. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'occasions là dans cette génération. 53% de possession, mais Marseille ne se procure aucune occasion. Difficile à l'extérieur. Ils ne se sont pas encore remis du match 3-3 face à Monaco, je ne sais pas. En tout cas, on va les mettre un petit peu plus offensifs, avec un 4-3-3 plus assumé, je pense. On va peut-être changer ça parce que c'est un 4-5-1, dispositif 4-5-1. Voilà, avec 4-3-3 si je monte. Parce que ça, c'est celui-là, mais je préfère un 4-3-3 avec deux défenseurs. Il y a celui-là qui est pas mal, hein, qui est en vocation offensive. Il y a celui défensif. Bon, on va peut-être mettre offensif, hein, histoire de. Voilà. Batshuayi en pointe, Cabella ici, voilà, Ocampos, voilà, la Sanadira, voilà, ça paraît être ça. Donc on va voir si ça change quelque chose, ce sera plus offensif en tout cas. Les rôles sont toujours les mêmes, je pense. Les instructions aussi, toujours vers l'avant, non, ah, il ne veut pas aller vers l'avant, lui, il est toujours vers l'avant, toujours vers l'avant, toujours rester devant, Ocampos, on peut le faire entrer. Rester devant, voilà, hop, hop, puis bon, c'est bien parce que j'ai envie que les Marseillais soient un petit peu plus offensifs, mais c'est une prise de risque, attention, contre-attaque, tout peut arriver, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, j'espère qu'ils vont montrer un petit peu plus un meilleur visage, ce serait intéressant quand même, allez, et cette seconde période qui débute avec des Marseillais, on l'espère un petit peu plus offensifs, un petit peu plus en réussite, on va voir. Un 3-3 dans ce jeu, ce serait sympa. Mais bon, j'ai bien des doutes. J'ai jamais vu 6 buts dans une rencontre de FIFA. Hein. C'est PES encore, on peut assister à ce genre de choses, mais attention quand même, Cavella.
Kalash, la Sanadiara, ils sont plus offensifs, c'est vrai. Batshuayi qui décroche un petit peu. Lucas Silva qui est limite en pointe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont envie d'aller vers l'avant, mais la défense est bien en place. Le contrôle, le décalage peut-être de Cabella qui est en surface, qui dribble le penalty. Oh là là, il est allé le chercher. Il est allé chercher Cabella en dribble. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Oh là là. Il l'a complètement mystifié Mexer qui là ne peut faire qu'une intervention complètement ratée. Hein. Penalty, Michy Batshuayi qui va pouvoir tirer et porter son compteur but à 12 buts, hein, si je ne m'abuse, je crois. Non, à 11 buts, pardon. Qui serait meilleur buteur avec, voilà, c'est fait, avec Muganjo du FC Lens. Michy Batshuayi signerait son 11e but de la saison. Et c'est plutôt pas mal sur penalty. Voilà, il fait fusionne avec le caméraman, très bien. La Sanadiara, ce qui fait que ça revient direct pour Marseille. Donc, bon, je pense pas que ça soit dû au changement que j'ai fait, mais en tout cas, le fauchage en règle dans la surface, ça a été bien provoqué. Hein. Belle phase de construction. On a progressé de manière lente. Et à un moment, bon, on a eu un exploit individuel quand même de la qualité technique de Rémi Cabella, mais. Voilà, Michy Batshuayi signe l'égalisation sur penalty. Très bien, maintenant on va voir ce qu'il en est. Parce que ça va sûrement remettre du baume au cœur aux Marseillais, cette égalisation. On va voir la réaction des Rennais, de ne pas s'écrouler, tenter de revenir dans le match, de reprendre l'avantage. Attention, la perte de balle avec Manquillo qui récupère, la contre-attaque, ça peut aller très très vite côté Marseillais. Ouais, la Sanadiara qui revient en arrière et la perte de balle par contre de Cabella cette fois-ci, de Lucas. Silva, pardon, ça part en contre-attaque avec Quintero. Dans la surface, Quintero, la petite passe, la frappe de... Oh, le travail de Ricky, où va-t-il? Il est parti dégagé, heureusement. Et la tête à suivre. Ouais, ça peut partir une erreur et ça pourrait aller très très vite d'un côté comme de l'autre. Hein. Une perte de balle et hop, on est très vite vers l'avant. Avec Morera. Oh là, Silla qui est éliminé justement sur ce petit contrôle. Regarde, qui revient obligé de reculer avec Mexer. Attention, le jeu long de l'autre côté, c'est pas mal cette transversale. On change de côté Mbengue, Quintero, l'arrêt d'intervention de Lucas Silva, ça peut partir très vite en contre-attaque. Attention, avec Rémi Cabella qui va pouvoir lancer Michy Batshuayi. Michy Batshuayi, voilà, ça revient bien en défense, mais attention avec Alessandrini qui crochette, qui fait son boulot, qui cherche une solution. Michy Alessandrini qui la lance en profondeur pour Manquillo, qui va pouvoir centrer, qui cherche une solution. Manquillo qui revient sur ses pas, qui cherche la petite passe, la frappe, la parade de Costil, ce n'est pas fini, ça part au-dessus. Oh dommage, Michy Batshuayi qui avait l'occasion du 2 buts à 1 là-dessus. Bien servi. Et ça sort bien. Une intervention à double. En double temps. Je pense que c'est le gardien Costil qui repousse quand même. Et le corner à suivre côté marseillais. Va-t-il être bien tiré sur une tête et pas trop sur le gardien? On va voir. D'habitude c'est mal tiré. Et est-ce que ce sera une sortie de but? Voilà, une sortie du gardien. Ça c'est l'habituel. Dans ce jeu, c'est très très rare que le gardien... Attention, là, qu'est-ce qui se passe? La perte de balle, mais qu'est-ce que c'est? On vient siffler quoi exactement ici? Oh là 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 là, une faute alors qu'il n'y avait rien du tout. C'est une occasion à nouveau... Oh, c'est assez surprenant, la décision de l'arbitre, là. Est-ce que c'est une main? Je sais pas. En tout cas... Ça pousse. Et Nkoudou qui rentre à la place de Lucas Ocampos. Justement, Nkoudou qui pourra peut-être apporter ce qu'il manque pour éventuellement la victoire marseillaise. On va voir. Ouais. Beau joueur qui apporte déjà beaucoup à cette équipe. Bon, la modélisation est à revoir. Hein. Je crois que Electronic Arts est en partenariat avec l'OM aussi en termes pour les modélisations de joueurs. Enfin, il faut faire plus de travail là. Il faut. Ça va être joué court là peut-être, non? Bon, joue long. Qui va récupérer de la tête? Eh bien c'est Marseille, tranquillement. Benjamin Mendy. Avec Nkoudou justement qui vient de rentrer. Eric Kik. Nkoudou. Manquillo. La passe avec Alessandrini qui revient sur ses pas. Avec Nkoudou.
Kouyaté-Koulou, pardon. Attention, Cabella qui va essayer de provoquer. On le connaît, ce fin dribbleur. Il a joué, c'est bien joué, ça, sur le côté. Regardez-moi ça, ce décalage. Il y a du monde au second poteau, peut-être même au premier. Le centre à venir, la parade de Costil pour dégager. Et Messila qui est obligé de... Voilà, de... C'est la panique. C'est la panique. Parce que Marseille joue mieux. Et Marseille se trouve être un petit peu plus dangereux. Nkoulou. Attention, il est pressé Nkoulou. Pas de paire de balles Nkoulou. Oui, il s'en sort bien, proprement, tranquillement. Solide le Nkoulou, hein. Tranquillement. Là, c'est la Diarra. La possession est à l'avantage de Marseille. Ça circule bien, ça conserve. Ouais, le beau travail et le beau contrôle de la Sala Diarra. Lucas Silva, la balle en profondeur, c'est excellent pour Manquillo. Qui est passé Manquillo, la passe courte. La frappe contrée. Ouais, dommage. Ça se précipite parce que dans le dernier geste, il suffirait d'une petite passe, un petit décalage. Pour être vraiment, vraiment plus dangereux, mener une frappe qui pourrait inquiéter Costil. Je vais essayer de tenter une frappe de loin, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est dommage, c'est toujours contré. Pedro Henrique, attention, la balle en profondeur justement avec Boga. Boga qui va... Oh, le tacle de Rekic, il est sévère, il est sanctionné. Rekic qui se manque. Et ça va être un changement côté Rennais. Ousmane Dembélé, Juan Fernando, qui c'est qui rentre? Juan, okay. Juan Quintero, mais là, c'est Quintero qui est sorti. Allez, le corner ouvert, ouais. C'est plus qu'un corner ouvert, hein, attention. Ouais, c'est Dembélé qui est rentré. Attention à la sortie, on va tranquille, dégagement très vite, rapide. Non. Bon. Quand même. On va essayer de trouver. Ouais, mais là, attention, c'est récupéré par les mains. Wow, c'était très 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 limite. Si c'est récupéré par Marseille, ça peut aller vite. Voilà, récup. Il n'a pas été averti sur son tacle manqué, mais c'était limite. Toujours 1-1. Que Marseille va réussir à faire la diff. Lucas Silva, Benjamin Mendy avec Cabella. Cabella qui accélère. Cabella qui passe à Batshuayi. Alessandrini. Je vais reculer. On décale avec Benjamin Mendy. Nkoulou. Cabella. On essaie vraiment de désaxer cette défense, peut-être là-dessus, avec le 1-2, la frappe, oh, elle s'envole de la Sala Diarra, dommage. Dommage, c'était bien joué cette combinaison, mais encore manque de précision. Ça s'envole, ça. Le joueur de l'équipe de France, l'international, qui ne parvient pas à se pencher suffisamment sur le ballon. Cabella qui sort, on a l'impression, mais remplacé par Barada. Côté marseillais, il y a eu un remplacement aussi côté rennais. Est-ce que ça va porter ses fruits? On n'attend plus que le... but qui permettrait sûrement celui qui marque maintenant est très proche de la victoire, en tout cas l'équipe qui réussirait à faire la différence là. Allez, avec Barada, le décalage et l'accélération peut-être d'Alessandrini qui revient sur ses pas, qui cherche une solution, qui va quand même centrer la tête de Mexer. Pour dégager la contre-attaque. Attention, attention, parce que ça va partir en contre. Avec justement, est-ce que Rekic va bien... Ouais, ben Rekic, qu'est-ce qu'il fait? Il est passé, Rekic, il fait n'importe quoi. Il laisse des solutions de contre. Ouais, mais là, c'est une de précision, c'est complètement avorté. C'est très, très dommage. On a qui va pouvoir dégager. Il reste 10 minutes de jeu. Marseille qui serait bien inspiré de réaliser une bonne offensive, bien placé, parce qu'il y a 1-1 pour le moment, mais c'est pas flatteur non plus. Un match de Marseille est dominé. C'est vrai qu'ils ont dominé cette rencontre, mais pas forcément en termes d'occasion, en termes de jeu, hein, de possession. Mbengue et André. Ouais, et puis si on laisse le ballon à Rennes aussi. Et les Rennais hein, qui peuvent aussi de leur côté faire quelque chose. Hein. Non, ça va être récupéré ça par Marseille. Benjamin Mendy qui accélère, hein, le tacle manqué. Benjamin Mendy qui a des solutions. Attention.
position de Pépial là. Est-ce qu'on va jouer sur l'aile? On préfère revenir dans l'axe. Oui, non, ça va être quand même passé sur le côté. Mendy, il y a du monde de l'autre côté. Au second, la frappe et le but d'Alessandrini. Le 2-1, il est là. C'est parti sur le côté avec Benjamin Mendy. Et Costil est battu. Très rapide. Voilà. Oh là là, quel passe. Il a une bonne vision du jeu là. C'était limite soit Barada, soit Alessandrini. Plat du pied, j'allume. Ouais, beaucoup de buts comme ça là depuis quelques temps. Voilà, de toute façon le tacle derrière était trop. Voilà, puis Alessandrini ne se fait pas prier. 2-1. Marseille fait la très très bonne opération pour le moment. Hein. Beau retour dans cette seconde période. Après avoir été mené au score, il repasserait devant les Rennais et grappillerait même 3 points au classement. Juste derrière les 7e, l'AS Saint-Etienne. Pour le moment, tout est bien pour les Marseillais. Une belle performance à l'extérieur. Après celle à Monaco, où c'était un match nul. Attention quand même à bien défendre avec Rekic. Il reste quand même un petit peu de temps de jeu. Il y aura un peu de nouveau changement côté Marseillais. Romao rentre à la place de Lucas Silva. Il essaie de faire traîner le compteur un petit peu. Histoire de se rapprocher de la fin de ce match rapidement. C'est un bon corner. Attention éventuellement au 2-2. Là, ce n'est pas Grosicki qui va être dangereux, mais il y a quand même du monde de la tête qui peut placer quelque chose là. Romao, ouais, en termes de puissance, ça va peut-être permettre de dégager le ballon. Allez, il faut s'imposer dans les airs. C'est Grosicki qui s'en charge d'ailleurs, je crois. Il y a Armand qui peut la prendre de la tête. C'est bien tiré. Romao, d'ailleurs, qui vient défendre et qui permet. Alors, dans le deuxième corner, la surpassé. Allez. C'est vraiment les dernières cartouches hein, pour le stade rennais. C'est une nouvelle fois bien tiré. La tête et le but. Le 2-2 de Rennes avec Mexer. Premier poteau et Mandanda est battu. Quelle surprise encore, un match fou. Hein. C'est un 2-2 finalement. Il y a eu 3-3 avec Monaco. Là c'est 2-2. Marseille n'arrive pas à se sortir malgré la qualité de jeu. Et là une sortie complètement manquée de Mandanda. De la tête on est en retard. Ce qui va... Voilà, c'est vraiment dommage. Ah, c'était tout proche de la victoire, mais on ne s'en laisse pas compter côté Stade Rennais. 2-2, on est revenu. On ne veut rien lâcher. Hein. Maintenant, il reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y aura un 3-2? Ouais, c'est chaud cette fin de match. Hein. Ça a mis du temps à se décanter. Finalement, même score que la première période. Non, il y avait 1-0 à la première période pour le Stade Rennais. Allez, Marseille, il leur reste encore un petit peu de temps. Peut-être là-dessus avec le décal. Oh, c'était dommage, Barada, s'il donnait son ballon. Plutôt Armand qui va pouvoir dégager avec Costil qui jouait du gris-gris. Il reste 4 minutes d'additionnel quand même. Attention quand même. La récupération Rennes. La passe courte avec Dembélé. Grosicki, ouais, ça va être fini là-dessus parce qu'une phase de possession longue, ça va sûrement conserver côté Rennais, à moins d'une perte de balle, mais Morera, le pressing de Marseille, ça revient sur Armand, non, ça conserve, ça se satisfait de ce 2-2, hein, j'ai l'impression, hein, côté Rennais, attention la perte de balle, et c'est terminé, 2 buts partout entre ces deux clubs, Marseille qui a bien failli remporter cette rencontre et se diriger vers les premières places, en tout cas revenir vers en tout cas la 7e place et les gros clubs hein, comme la Saint-Etienne ou Monaco, passer devant Lorient, passer devant le Stade Rennais, passer devant Nantes, mais finalement c'est pas le cas. Le Stade Rennais avec 23 points repasse devant le FC Lorient et prend la 8e place. L'Olympique de Marseille reste à la 11e place avec 20 points. Et voilà, c'est dommage, avec 5 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Marseille était tout proche quand même de faire la diff. Avec une superbe seconde période, mais ça a très très bien réagi côté Stade Rennais sur ce corner qu'on ne pensait pas. C'est souvent des corners qui sont attrapés par le gardien très facilement, mais des fois, ça mène à un but. Beaucoup de centres hein, devant le... Il y a eu un pénalty quand même aussi avec un beau travail de Cabella, transformé par Michy Batshuayi, contre-pied parfait.
Bon, on a fusionné avec le caméraman, mais bon, c'est pas grave. Là-dessus, hein, là aussi, Michi avait failli avoir une belle occasion, belle sortie de Costil. Ensuite, la trajectoire du ballon a failli faire croire à une retombée dans les cages, mais c'était juste derrière. De l'engagement, Quintero avec Nkoulou. La frappe de la Sanadiara non cadrée. Et ensuite, beau travail de Benjamin Mendy, ça doit être sur l'action suivante. Voilà, débordement, Benjamin Mendy voit au second poteau. Parfait. Et ça, c'est du Alessandrini tout craché. Le pied gauche, on le connaît d'Alessandrini, non? Hein, que ce soit Lucarne pour la mettre en enroulé ou là, voilà, c'est facile pour lui. Et voilà, l'égalisation ici avec la tête au premier poteau. Et tout le monde est battu. Ah, c'était évitable, hein, cette réduction du score. Mais 1-2-2. 1-2-2, Stade Rennais qui n'a rien voulu lâcher jusqu'au bout de la rencontre. Et voilà, pas énormément d'occasions. On le voit, une domination en termes de possession de Marseille. 6 tirs, 4 tirs, hein, c'est pas beaucoup d'occasions, mais on voit au niveau du résultat quand même pas mal de buts. Tous les changements ont été faits, hein. But Silla, Batshuayi sur penalty, Alessandrini, Mexer. Voilà, Michi, hein, qui augmente son compteur but, hein, qui arrive premier, meilleur buteur, hein, meilleur buteur maintenant, Michi Batshuayi, le Belge. Donc voilà, tous les Belges ne sont pas des criminels, vous voyez, il y en a qui sont très bons et qui sont très bons en football. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est Molenbeek un peu qui me fait penser à ça. Mais vous inquiétez pas, Molenbeek, ce n'est pas un terreau de terroristes, voyons. Arrêtons toutes ces conneries. Voilà, il y a une petite partie, une petite frange radicalisée, mais plus nombreuse qu'ailleurs, mais c'est tout. Voilà, c'était pour finir un petit peu sur un sujet complètement hors sujet, d'ailleurs, même. Qu'est-ce que je dis? Les remplacements, bon, il en a manqué un, bon, c'est pas grave. Mais voilà, Marseille tout proche, on verra ce qu'il en sera dans la vraie rencontre. Bon, on va voir les notes un petit peu. Notes, alors, qui est homme du match? Ils ont fini en 4-4-2, les Rennais, très bien. Puis 4-3-3 pour Marseille. Alors 6-7 pour Batshuayi, c'est la meilleure note. Il y a Mendy à 6-7 aussi. Côté Stade Rennais, est-ce qu'il y a un 6-7 ou un 6-8? 6-6, 6-7. Et il y a un 6-8 pour Silla, tiens. Bon, Silla homme du match. En tout cas, il a la meilleure note, Silla. Il a marqué le premier but. Mais voilà. Bon, les performances, on le voit. Silla, meilleure note côté Rennais. Et Batshuayi, meilleure note côté Marseillais, qui a signé un but sur penalty. Mais ils ont eu des difficultés à se procurer des occasions notables. Normalement, il y a beaucoup plus d'actions, hein, dans un match. Il y a environ deux fois plus d'actions dans un match. Donc, ce qui fait qu'il faudrait que je fasse des matchs beaucoup plus longs, du double. Pour avoir des... Mais il y a déjà un 2-2. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du résultat? Parce que 4 tirs cadrés de but. Bon, 3 tirs cadrés de but côté OM. C'est pas mal. Donc, voilà, voilà. 38 minutes de vidéo, c'est un petit peu long. On va se quitter là-dessus. C'est normal, il y avait des buts. Donc, c'est pour ça que la vidéo a duré longtemps. Mais on se quitte là-dessus. Ce sera la seule vidéo aujourd'hui. Hein, puisque, bon, en termes de match... pour cette journée, en tout cas pour ce jour, il n'y a pas grand chose. Il y a de la Copa del Rey, bon, il n'y a pas de gros match, hein. Il y avait quand même SD Huesca Villarreal. Huesca, je ne sais pas comment ça se prononce. Las Palmas Real Sociedad, bon. Carpi Vicente Sassuolo Cagliari en Copa Italia 4e tour. La Russie, première ligue russe, Ukraine. Il y a du Angleterre Championship, Reading Queen Park Rangers, bon. Il n'y a pas grand chose. Demain, on se retrouvera, bien évidemment, j'espère, faire le match de l'OGC Nice face au Paris Saint-Germain, parce que c'est un très très beau match, intéressant. Peut-être un autre match que sera possible à faire. Il y a Schalke Hanovre, Lazio de Rome, Juventus Turin. Puis il faudra que je repasse un petit peu sur PES, un petit peu l'occasion, même si FIFA, c'est plutôt plaisant. On a des buts, on a des actions, c'est sympathique. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Portez-vous bien. Et puis à demain, hein. Puis finalement, n'hésitez pas à partager si vous aimez Marseille, ou tout du moins si vous aimez ce concept CPU versus CPU avec la Ligue 1, et puis d'autres pour en faire d'autres, hein, aussi. Hein. Il faut partager, comme ça on aura encore plus de vues, plus de possibilités, soyons fous. Enfin bref, salut, salut, et bonne soirée à vous.